Chers amis internautes, bonjour. Nous revoilà pour 10 petites expériences à faire à la maison. Bon amusement. C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. La peau d'orange contient de l'essence. La preuve ? C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Un billet, une bouteille ? Vous placez le billet sous la bouteille. Maintenant un défi. Comment retirer le billet sans faire tomber la bouteille? C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Comment plier une cigarette sans la casser? C'est très simple. Un billet de banque, vous l'enroulez bien serré. Vous pliez, une fois, deux fois, trois fois. Et maintenant, on déroule. Voilà. C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Un petit jeu maintenant. Une carte, une pièce de 1 cent. Vous posez la carte au-dessus de la bouteille. Je vous mets au défi de retirer la carte et mettre la pièce dedans. C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Un petit truc pour impressionner ses amis quand vous jouez aux cartes, partie de poker ou autre, c'est très simple. Vous prenez le jeu, vous l'étalez. Donc vous étalez bien les cartes devant vous, vous prenez la dernière et vous retournez la première tout en passant sur les autres. C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Donc vous prenez une bougie, vous allumez une allumette. C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Si avec votre jambe droite vous faites un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, et qu'avec votre main droite vous faites un cercle dans l'autre sens, votre jambe changera automatiquement de sens. C'est Minus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Pour cette expérience, vous avez besoin de deux fourchettes identiques, une allumette et un verre. Maintenant que vous avez trouvé le point d'équilibre, vous placez le tout sur le bord du verre. Maintenant que vous avez trouvé l'équilibre, vous pouvez vous amuser à le placer sur un autre objet, par exemple un cure-dent. C'est Cortex, c'est Cortex, c'est Minus. Alors voilà, pour finir en beauté, on va faire une petite illusion d'optique. Vous prenez deux arcs de cercle absolument identiques, hein, donc on peut les superposer, et vous les placez les uns au-dessus de l'autre. Voilà, vous aurez l'impression que les deux est beaucoup plus long. Mais vérifiez, ils sont identiques. C'est Minus, c'est Cortex, c'est Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique. Quelle canaille, ces petites souris, go bye bye bye.